Salut tout le monde, c'est Yano Pepo et on se retrouve pour cette quatrième partie sur Until Dawn. Sans plus attendre, on va essayer de fouiller cette pièce. Il y a quelque chose là, hein? C'est quoi? Peut-être un totem? Ça serait cool. Yes, alors c'est quelle couleur ça? C'est marron? Non, c'est quoi? Oula! Oh putain! C'est quoi ça? Totem de perte! Oula! Marron. Donc ça c'est tragédie ami. Perte potentielle d'un ami. Oh putain. Et c'est qui? Faut revoir. C'est une meuf? Ah mais c'est pas la meuf que lui il kiffe. Et c'est dans pas longtemps alors, hein. Ça, c'est déjà arrivé, donc ouais, on en est là. Attends, c'est quoi? L'éventuelle mort de la personne qui le trouve. Ah ouais. Donc tu sais à l'avance que tu as. Ah oui, donc de toute façon. Ah, l'éventuel. Oui, c'est parce que j'aurais pu ne pas mourir. Ok. Juste voir. Il y a du nouveau là. Et ils perdirent la tête. Meurtrier. Meurtrier. C'est peut-être nous. C'est de nous qu'on parle, non? Ah merde, le chrono. Tac, hop là, on lance le chrono. Bon, ça fait peut-être déjà 2 minutes ou j'en sais rien. Alors, le totem, on l'a pris. Ah, c'est un rat. Ah, c'est bon. Ah, c'est parce que j'avais dit peur des rats. Sinon, ils auraient mis un serpent. Mais c'est un jeu, hein. Je vois pas pourquoi j'aurais peur dans un jeu. Ah. C'est quoi ça? Indice trouvé. Un ancien concierge. Oh, merde. Oh! Reprends-le. Hop là. Alors, un ancien concierge condamné pour incendie criminel. Ah, il était concierge. Jure de se venger de la famille des manias du cinéma. Attends, il veut se venger de la famille. Oula, Victor Milgram. Ah ouais, le fameux 52 ans était condamné hier à 16 ans de prison. Était concierge du vieil hôtel de montagne. Donc il était concierge ici. Oh là là, c'est pas bon du tout. Ça, il connaît les portes, machin et tout. Il a peut-être même des clés. Sur un coup de théâtre sensationnel, la condamnation s'est terminée avec un milgram enragé criant des obscénités à la femme très enceinte de Washington. Grosse pute, il s'est engagé à obtenir de. Il les ferait souffrir. Ah ouais, il est là pour se venger. Bah il reste qui des enfants en Mike? Oula. Enfin attends je comprends. Non Josh! Il reste Josh du coup. Le survivant. Ouais du coup le gars il va être là pour tuer Josh. Et peut-être que Josh il va vouloir nous tuer nous. C'est ma théorie. T'as vu se regarder, il y a quelque chose là dans le coin? On a tout pris là dans le secteur. Oui, ça on a déjà pris le petit totem. Ouais. T'as un truc à gauche là, non? Quoi, c'est la photo de famille? Et Josh, la mère, le père et les deux sœurs. Et il reste que Josh pour la tuer. What the fuck?
C'est quoi ce truc? Oui, avec la tête là. Attends, quoi? Oula! Elle est trop grande cette maison, c'est abusé! Pas des indices, quelque chose là? Là-bas? C'est quoi? La télé? Mais de la bouffe là. Ah ouais, mais il squatte ici le gars. C'est marrant, on dirait qu'il y a des voix. Bon, pour le moment, il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein, mais... Salut Chris, c'est marrant. Et comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure? J'y vais. Mais tu peux pas... Bah, je sais pas. Y'a une clé à l'intérieur ou... Par là on peut passer, non? Mais faut aller où? Attends, retourne là. Ah, la lumière, non, on peut pas allumer la lumière. Il y a une porte là? Quelque chose, non? Ah, on peut passer par là. Peut-être quelque chose là, non? Photo du bal de promo. C'est dingue, c'était des jumelles, mais elles ont pas du tout la même tête. Ah, mais c'est là où après tu pouvais rentrer, il y avait une autre pièce, non? Ah non, on peut pas en... Et sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a des voix, non? Ou alors avec le casque, j'entends mieux et... Je sais pas. C'est peut-être des souris, moi je crois que c'est... Ouais, moi je cherchais un maximum d'indices. Je sais pas à quoi ça sert vraiment les indices, mais... Peut-être qu'à un moment donné, ça nous permettra... de faire des trucs. Il y a des pas, hein. Ça se fout, quand tu t'arrêtes de bouger, c'est-à-dire que ça te monte sa tête. Hein? Peut-être le vent, ça donne l'impression que c'est des pas. Je fouille la maison pour rien là ou... Bon, c'est quoi, on va monter en haut. Hein. Putain, s'il fallait s'enfuir, on serait dans la merde. Parce que pour trouver par où passer, peut-être par là, et là, non.
Attends, retourne là-bas, ok. Et non. Par là? Yes. Ce truc qui est chiant avec ces jeux, c'est qu'il n'y a pas de système de sauvegarde. Donc si jamais, imaginons, il y a un bug qui fait que je peux pas enregistrer, je suis obligé de tout recommencer à zéro. Et ça me ferait chier. Ouais, bon, je vais pas vous mentir, je me fais un peu chier là. Ok, on fouille la maison, mais ensuite. Ah. Mais attends, on n'était pas déjà là? What the fuck? Attends, on tourne en rond là? Ouais, moi je crois que j'étais monté en haut. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Marrant ça. Voilà. Maintenant je monte ici. Elle est immense hein, cette maison. Il me dit quelque chose. Ah, c'est la fameuse chambre. Enfin, on n'est pas loin de là où ils avaient fait le piège à la fille. La bête. C'est la fameuse chambre. C'est là qu'est la bombe. Yes! Oula! Ah putain! Putain de merde! Ah les bâtards! Ah parfait! Ah les bâtards! Je m'y attendais pas! On est en train de geler sur place! Et moi je suis en train de me chier dessus sur place! Qu'est-ce qu'il fait? Ah c'est pas con ça! Il gèle la serrure! Chaque semaine. Bon là ça va mais... Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas petit, un de ces jours tu seras grand. T'as vu les dents que ça avait? Ouais qu'ils ont pas joué à Far Cry eux. Faut pas sous-estimer les petits bestiaux comme ça. Oh, sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Et y a pas d'électricité? Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Comme ça non. À faire la fête. Salut. Salut. C'était calme ici dernièrement? Non. Il a dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est chelou Josh, hein, clairement. D'ailleurs, on profite Matt, du coup, ah, il a augmenté en charité, donc charitable, il a baissé en drôle, courageux, il a monté en romantique. Et curieux, il a diminué. Ok. Honnêteté, il a diminué. Mais putain, j'avais été honnête, je comprends pas. Yo mec. Ouais, vas-y, fais comme chez toi mon pote. D'accord. Ah, honnêteté, j'ai diminué parce que j'ai dit que je voulais pas sauter sur la meuf. N'importe quoi ça. T'as quoi, ça se trouve j'ai loupé plein de trucs là dans la maison. Putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue là? M. Non sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon, t'as dit quelque chose? Oula, pourquoi ça cherche la merde comme ça? Tu vois, oula. Tu es aigri de
ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Détends-toi, Emily. Ah, putain, moi je suis avec Emily. Si je dis détends-toi, Emily, elle va me faire la gueule. Et Mike peut potentiellement me la piquer. Par contre, si je provoque et je dis c'est déplacé Jess, Mike il risque de me péter la gueule. Dans tous les cas, il y aura une baston à un moment donné. Provoquer, c'est déplacer Jess. Défends ta meuf. Pourquoi t'as dit quoi de déplacer la Jess? J'ai même pas suivi vraiment. Détends-toi, Emily. Ah putain! Ah, ça va partir en couille de toute façon. Eh, c'est chaud, putain! Là aussi, je veux savoir qu'est-ce que vous feriez, vous. Mettez en commentaire. Provoquer ou calmer le jeu? Parce que si je calme le jeu, ça me fout la merde avec ma meuf. Le problème, c'est que c'est ma meuf là actuellement qui est. Il faut cliquer. Si je clique calmer le jeu, ça détend-toi, Emily. Sauf que c'est elle qui est en tort en vrai. Pourquoi elle débarque, elle commence à péter une pile comme ça? Provoquer. Oh là là, c'est chaud. Si je dis détends-toi, Emily. Mais si je fais c'est déplacer Jess, ça va créer deux clans. Putain, vas-y, il va se faire engueuler, mais. M, allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Eh, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir. Bon, bah, tant mieux, je me fais clasher par les deux. Personne ne peut jouer avec tes jouets. Putain, mais quelle salope. Peu importe. Wow. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Ça, c'est vrai. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand enfin, tu galéreras pour trouver un boulot. Là, t'as baissé, hein. C'est plus 20 sur 20, hein. Tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, je sais. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Quoi? T'es sérieuse? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Ferme-la, Jess. Ouais, clairement. Ferme-la un peu. Tu veux? Non. C'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres. Non, non, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah, oh, tu veux qu'on se mette sur la gueule? Parce que là, je suis prête. Oula! Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ce feu? Chercher un truc à dur. Sac, quoi, elle a volé son sac? Sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? Mais il a rien dit. Le magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu mettais la fille au comptoir. Oh là là! Elle est plus conne que ce que je pensais, elle. Hein. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Alors? Oh là là! Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Elle vient avec. Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Mauvaise idée, hein, mais bon. Bon, après, ils vont pas laisser le sac là-bas. Je vais prendre un bain. Enfin, une qui est normale. Pêche l'ambiance de merde, putain. Cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, mais si ça fait un an que personne n'y était. Nid d'amour avec plein d'araignées. Eh, hey, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça.
star du porno. Je paierai cher pour voir ça. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'elle allait donner des capotes. Désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Okay. N'importe quoi. Tu veux l'inviter avec nous? Vraiment? Josh était en train de me draguer. Non. Vous dites, hey, mais elle est conne. Oh, oh, c'est abusé. Attends, on va voir un petit peu lui, là, quoi, dans la tête. Y a pas intelligence. Dommage. Honnête, charitable. Ah ouais, honnêteté, il a pas beaucoup. Il joue au con alors. Montre un peu sa tête. Ouais. En fait, il joue au con. Il est pas si con que ça. Charitable, drôle. Enfin, drôle. Ouais. Romantique. Fou de ma gueule. Bon, un peu, mais ouais. Courageux. Curieux. Ah, mec, Matt, tu m'étonnes que. Oh putain. Oh là là. Avec Matt, à mon avis, quand ça atteint 0, ça se fout sur la gueule. Oh là là, faut éviter ça. Hein. Jess, ça monte. Emily, ça a pas changé. Hein. Tu m'étonnes, Jess, ça monte. Oh là là. Bon, on va aller jusqu'au gîte. Ou on stoppe? Non, non, on continue un peu. Et descend. Voilà. Attends, juste regarder, y'a rien là. Non, c'est bon, ça aurait brillé sinon. Allez, viens, on y va. Il fait trop froid ici. Moi maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça? J'ai quelques idées en tête. Elle est là? Ah voilà, je suis en train de me dire. On peut passer par là? Ah, c'est ça le gîte? T'as juste regardé, il y a un portail là. J'ai vérifié qu'il est bien fermé. Bon, après l'autre, il a juste escaladé le muret. Hein, et... Ah, je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin? Ah, donc le générateur est là-dedans. Attends un peu. Moi, ça me faisait penser à la cabane où elles avaient couru à la base. Oula, attends. Générer un peu de motivation pour faire fonctionner ce putain de générateur. Ouais, je... pourquoi elle pète une pile comme ça? Elle est folle. Comme tu le fais sur moi et on va voir si ça marche. Okay. What? Attends, quoi? Oula, attends, rouge, c'est quoi la menace d'un danger à venir? Ah, là-dedans, à l'intérieur. Les tribus indigènes pensaient que les... Oula, attends, faut se préparer là. Donc c'est elle qui va se prendre une patate. On dirait un clown. Oula. Eh mais un truc s'est rajouté là. Bah non, hors ça. Quelques temps plus tard, des prospecteurs... Des prospecteurs. Et ils perdirent la tête. Meurtrier. Faut qu'on fasse gaffe quand on va rentrer là-dedans. Par contre, pourquoi elle a crié comme une folle, elle? Ça va pas. Hey, Mike. Bon, tu le fabriques ce générateur ou quoi? Mais ils sont tous cons. Tous cons, tous connes. Et c'est fou ça. Ça.
Bien joué, Mikey. Bien joué, Mikey. J'aime bien ce compliment tout seul. Yes. T'es un vrai magicien. Ah putain, il est là, lui. T'en fais gaffe, toi. Viens, suis-moi. Escapade, oui. Oh yeah. Ruban de la police. Oula. De Anaïs. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. De quoi te rappelles-tu? J'espère qu'elles sont en paix. Ouais, mais ça peut m'aider pour l'enquête, hein. De quoi te rappelles-tu? Bah, qu'elles soient maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense-t-elle? C'est une belle façon de voir les choses. Ouais, ouais. C'est vrai que j'aurais bien aimé mettre Inquisiteur, mais je sais pas. Non, on va faire gaffe, hein, parce que danger imminent. Oula! Quoi ça? T'as entendu? J'ai entendu un truc. Ouais. Attends, est-ce qu'il y a des fantômes en plus de l'autre taré? Oh, merde. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Attends, mais... Mais les quiches? C'est pas possible! Hey, Jessica! Ouais? Ça va! Bordel, tu m'as foutu une de citrouille! Ouais, c'est pas possible d'être aussi quiche! Et tu t'es pas blessée au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi! 7? Ouais! Tu peux sortir? Je peux pas te dire! Je sais pas! Ah, elle parlait de ses seins, osier! Oh, prudent, poussez le chariot! Ok Jess, il y a un chariot. Je pense que si tu pouvais le pousser, tu pourrais sortir. Ok. Ok, laisse-moi juste essayer. C'est bien trop lourd. La rejoindre, hein. La guider. Chérie, tu vois cette petite ouverture? Entre le chariot et le mur. La minuscule ouverture? Ouais, tu peux peut-être te... Tu vois, je sais pas, te faufiler à l'intérieur. J'apprécie la confiance que tu places en mon physique, mais je pense pas que les jumeaux passeront. Oh. Si. Ah oui, à cause des... Ok. Je vois. Alors, soit tu
tu m'envoies cette lumière, soit tu agis en héros et tu sautes pour me prêter main forte. Elle va faire la gueule si j'envoie la lumière. Mais en même temps, vas-y, c'est mieux que je sois avec elle, en vrai. De toute façon, on a les téléphones au cas où. T'envoies de la lumière. Vas-y, va l'aider. Ok, bouge pas. J'arrive. Tu ferais bien de te dépêcher avant qu'un autre Malabar n'arrive. Ah ! Putain, mais c'est vrai en plus, il y a quelqu'un derrière. Hé, hey, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Putain de merde ! Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger. Ok. Quand je nous imaginais Jimira à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Oh là là ! Je peux me retourner là ? Oh putain, il me fout les boules, je sais qu'il est derrière l'autre. Mais viens, qu'est-ce que tu fous? Mais viens, mais putain, mais elle peut pas se dépêcher. C'est un truc de fou ça, on sait très bien qu'elle va crever, mais c'est sûr si elle marche à deux à l'heure. Oula. J'ai eu du bol, j'ai failli pas voir le triangle. Ouais. Ouais. Ça va. Attends, il est passé par où si c'était une autre entrée? Y'a quelqu'un, hein? Bah oui, l'autre, mais il est passé par une autre entrée. Viens là, toi. Putain, mais c'est fou ça. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux. Ici. Pour la cabane, mon gars. Oh là là, c'est quoi? Un blanc? Ça, ça peut être cool. Quoi? Totem de chance. C'est de la chance, ça? On a vu la même chose. Qu'est-ce qu'il est là? Je l'ai même pas vu, le gars. Attends, mais ça, c'est un... Ça, c'est de la chance. Alors attends, une chance se présentera. Ouais, je suis pas sûr à 100%, mais attends, regarde, il fait ça. Voilà. Quelques temps plus tard, des prospecteurs. Maintenant le nouveau. Jusqu'à ce qu'un éboulement coince. Un éboulement. Et ils perdirent la tête. Meurtrier. Ah. En rapport avec cette mine. On fait quoi, on arrête ici? Plutôt pas mal, hein. Ouais. C'est quoi, on va s'arrêter ici? Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Romantique, Jess, affinité. Oula! Ça va pas du tout, là. Et pourtant, j'ai descendu avec elle. Bon, et ben nous saurons ça dans la prochaine partie du coup. Mais écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas fait, à activer la petite cloche pour les notifications. Je sors assez régulièrement des vidéos. Donnez votre avis en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous n'auriez pas fait vis-à-vis des choix. En gros, qu'est-ce que vous auriez fait. Puis du coup, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne continuation.